Café Larousse, c'est tout simplement une idée qui vient un petit peu de loin. Il y a quelques années, j'ai pris un café rue Saint-Honoré, chez Verlet, un grand torréfacteur parisien, et j'ai bu pour la première fois mon café de Capilouac. C'était pour le coup le premier café que je buvais où il y avait vraiment des bulles de saveur. Il y avait un côté cerise, il y avait un côté amandé, il y avait un côté un peu chocolat, voilà, il y avait plein de petites bulles comme ça. Et j'avais voyagé en Arabie Saoudite pour le boulot et il travaille beaucoup la rose avec le café. Bon, du coup, c'est venu un petit peu de ça. J'avais fait un dessert au café, mais café truffe. Les truffes, bon, on trouve ça quand même dans une forêt au pied des arbres. Et donc, j'avais fait une écorce et j'avais dressé tout mon dessert dans cette écorce. Et puis, bon, bah là, pas de truffe, donc café rose, et puis comme j'y viens, café bois de rose, donc le bois, l'écorce. L'absolue fleur qui est vraiment la fleur de sel, on va dire, de la fleur. Je travaillais sur un café de Madagascar, j'avais l'idée de la rose. Du coup, ça faisait un petit peu, avec l'écorce, ça faisait quelque chose d'un peu bois de rose. Le bois de rose qui est un bois exotique qui vient de Madagascar. Alors j'ai trouvé une dame exceptionnelle qui cultive une rose un peu spéciale, la rose baptistine, qui a été retrouvée il y a quelques années, qui a été perdue depuis les années 1800, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait un produit, il y avait un café, fallait faire quelque chose. Avoir le café dans l'esprit très floral, dans l'esprit doux, calmer un peu le café et réajuster en fin de compte, réajuster avec la rose, avec les parfums de la rose. C'était ça l'idée.